Salut à tous, avant de voir la vidéo, on va vous parler d'un artiste qui s'appelle TPM, qui veut littéralement dire Think Positive Music. Alors c'est une chaîne musicale décalée, drôle, fun, marrant, en gros c'est un melting pot de beaucoup de choses et vous allez rigoler. Et ce que nous on aime bien dans l'artiste, c'est qu'en gros l'artiste en question, il rappe, mais dans des costumes ou des kigurumi. Les kigurumi c'est quoi? C'est en gros des petits déguisements de cheval, de vache, de tout ce que tu veux. Mais ce qui est bien, c'est que lui il garde l'esprit enfantin d'un corps d'adulte. Parce que souvent quand on grandit, nous, on oublie ce côté enfantin, mais lui le garde. Et ça qui fait son côté original et unique. On vous laisse voir quelques petites séquences et vous allez voir, vous allez kiffer. Mon étoile me guide dans les ténèbres, mon histoire s'écrit dans tes oreilles. Comme quoi c'est le cas, y'a plus qu'à. Mais dis-moi, t'attends quoi et pourquoi pas faire pareil? Tu sais que dans la vie y'a pas que l'oseille. Tu sais que dans la vie y'a pas que ta plaie. Mon conseil c'est le cas, n'oublie pas de faire le choix de balancer tes craintes à la corbeille. J'ai réussi avec mes peurs. Je pensais pas devenir rappeur. J'ai réussi avec mes peurs. Je pensais pas devenir rappeur. TPTPTPM. C'est ça qu'on aime. Bonjour à toutes et à tous, ici les Tukwazi, les Mandela. Fouri, Mandela Manguru. Ça c'est quoi ça? Activer la cloche, ça veut dire. Activer la cloche. La cloche? Ouais, parce que tu voyais le petit logo cloche là. Ouais. Ici la bam, tu vois. Faut l'activer. Comme ça vous avez carrément les vidéos en notification important. Ok, d'accord, mais c'est quoi, je l'arrange. Et dis-moi ce qu'on va faire là. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la partie numéro 2 de On demande les sneakers, le prix. Le prix, la marque. Voilà, et le top 3 des sneakers préférés du coup. Voilà. Partie 2. Du coup, c'est parti. Dis-moi, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Là, c'est une falche. Ah, c'est une falche? Ouais, j'assume. Ah, pas de Louis Vuitton. Alors du coup, dis-moi du coup la marque de tes shoes et le prix. La marque de tes chaussures? Ce sont des McQueen. Je les ai achetés à 395 euros. À 395? Oui. Louis Vuitton. En plus, carrément avec les initiales. Les initiales. Oh, du coup, dis-moi du coup le prix de tes shoes et la marque. C'est des Versace. Versace, ouais. Elles sont à 795, je crois. Ah ouais, quand même, elles sont belles, hein. Ouais. Ça fait un peu date shoes, hein. Ça fait vraiment date shoes, ouais. Marque. 25 euros et chaussée. Ah d'accord, ok, bah, elles sont bien, hein. Merci, c'est gentil. Ouais. Et toi, du coup? Bah, moi, je m'en rappelle plus, mais c'était en déstockage. Donc, ah, ouais. Donc pas trop cher, quoi, ça va. Non. C'est Nike, elles ont coûté 120 euros. 120 euros, ok. Ouais. Et toi? C'est depuis moi 80 euros, quoi. Environ. Ça va, monsieur? Non, jeune homme, monsieur jeune homme. Vous avez quel âge? Moi j'ai quel âge? Vous êtes haut. Je suis haut, hein. Je suis pas bas. Moi je suis haut, regarde. T'es haut, mais t'as pas d'âge. Non, moi j'ai pas d'âge, ouais. Et toi? T'es haut ou bas, toi? C'est moyen âge. Prix? Ouais. 222. Ouais. Et c'est des Nike Air Monnaie. Putain, c'est magnifique, hein. Ouais. Bah. Et toi, du coup? Prix 350, c'est ouais. Les collab Bape Adidas. Putain, dinguerie. Dinguerie, montre bien ça parce que là. Édition limitée. Aïe aïe aïe. De toute façon, Bape dans la peau. Hein. Bape là jusqu'à là, tatoué là. Le logo est tatoué là, le logo. Eh, hey, lui, ça va pas Bape, hein. Ça, c'est ma marque de cœur. C'est 500 euros. Combien? 500 euros. Balenciaga. Balenciaga. Oui, c'est ça. Siaga Balen. Balenciaga. C'est quoi le prix et la marque de tes sneakers? C'est des Nike et le prix, j'ai oublié, plus de 100 euros. Genre entre 100... 130, un truc comme ça. Ça fait longtemps que je les ai achetés. Ok. C'était Nike et 80 euros. Okay. Et toi? Alors moi, j'étais très surprise parce que c'était des Fila et je pensais qu'elles coûtaient plus cher, mais je les ai payées 70. Ça va? Ouais. Oh, ça va? Ouais. Que des choses, bon, même si on connaît, et le prix? Easy 700, ouais. Bah, les 360. Ouais. Et toi, du coup? Bon, bah, mon gars... Non, yeah, c'est Balenciaga Track. Elles font 700. Balenciaga. Ok. 80 euros, je crois. Ok. C'est New Balance. Ok. Ouais. New Balance. Et toi? Et moi, c'est Nike. Elles ont coûté 180, je crois. Ok, ça marche. Et le prix? Vapor Max. Ouais. 210 euros. Ouais. Et voilà, ça fait 2 ans que je les ai, quoi. 2 ans, mais c'est bon, elles tiennent bien, hein. Bah ouais, bah ce style de paire de chaussures, je kiffe, donc j'en ai pas. Moi, c'est des Nike, okay. Des Nike Air Max. Je les ai payé 56 euros. Je les ai achetés dans un factory. C'était à 112 et 50%. Ah, putain, coup, c'est propre ça. C'est 50, excellent. 56 euros du coup. Excellent. Et toi, du coup? Marque et prix de. Moi, c'est des Nike. D'accord. Après, c'est pas moi qui les ai achetés, donc je sais pas. Ah, un cadeau? Ouais, c'est un cadeau. Okay. Et toi? Alors, moi, c'est des Nike Dunk. C'est des Dunk SB. Aïe. Alors moi le prix je les ai eu pas cher grâce à une connaissance, non, c'est une connaissance qui me les a vendus et c'est plutôt une paire rare donc voilà, okay, donc okay. 50 euros. Voilà. Ah, bah, c'est, okay, bah, c'est cool quand même. Prix déjà de tes sneakers et la marque. C'est 140 balles et c'est des Converse en collaboration avec
Je suis W. Anderson. Elles sont d'art. Elles sont d'art. Voilà. Et toi, du coup? Bah moi, c'est des Nike de 170. Ouais. Elles sont à 170 euros. Mm-hmm. Et bah voilà. Alors voilà, mes chaussures. Le prix, le prix et la marque de vos chaussures, là, monsieur. 90 euros. Oh, 90 euros. Ok. Et allez, c'est un. Comment? La marque, c'est quoi la marque? C'est Nike. Non, 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 virgule. Virgule. Point virgule. Non. Shoes et la marque. La marque. Et le modèle de ça et tout un peu. C'est des Puma. Ouais. Cool. Cool, ouais. Elles sont pas encore sorties, hein. Elles sont bien. Ouais. Ah ouais. Elles coûtent 180. Ça va, ça a aucun prix, ça va. Ouais, ça va. C'est les dernières là. Des Fila. Fila. Prix. 100 euros. 100 euros. Ouais. Ça va. Quel est le top 3 de tes sneakers préférés? Nike. Ouais. Jordan. Adidas. C'est genre les modèles, t'aimes bien. Modèle. Les modèles, ouais. La Air Monnaie. Ouais. La Jordan série 5. Ouais. Et la Jordan 11. Ouais, bien, bien. Et toi, du coup? Moi, je suis plus classique, c'est-à-dire Air Force. Mais ouais. Si je prends des Air Force, c'est pas des, des modèles que tu vas voir partout. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai les Air Force, tu sais, avec les équipes de basket partout, sur tout le truc. Moi, ce sera Air Force ou tout ce qui est des collabs, je connais, avec Bape. Ouais, bah toi, oui. Je bah, prends. Toi, t'es Bape, je prends. Voilà. Je prends dès qu'il y a un collab avec Bape, ouais. Je suis là. Après, troisième, je dirais Jojo, mais je suis plus trop dessus. Je vais dire Jojo, j'aime bien, mais c'est pas ce que je porterai maintenant. Mais Jojo, ça reste indémodable, c'est comme Air Force. Ça marche. Bien. Pareil. Modèle aussi, marque et modèle. Deux, j'ai des McQueen. Ok, McQueen, ouais. Des Jordan. Jordan. Et après, c'est des Vance. D'accord, mais est-ce que tu as des modèles précis? Vance, par exemple. Pas vraiment, non, pas vraiment. Ok. Bah, qui t'ont marqué, on va dire, que t'aimes bien, on t'aime bien. Genre, faut que je dise la marque vraiment précise. Ouais, si tu veux. Bah, au moins la marque, tu vois, c'est un modèle aussi. Donc. On va dire Nike, Fila. Ah, Fila, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien Fila. Ah, okay, d'accord. Et, je sais pas, les chaussures simples comme les Converse, des trucs comme ça. Les Converse, ouais, c'est la base. Et toi, du coup? Ah, la même. J'irais pareil à peu près. Ok, ça marche. En tout cas, merci à vous. Hein. Franchement, j'aime trop les Reebok classiques. Ok, encore? Ça, c'est la base. Encore. Après. Nike, je sais pas, j'ai pas de. T'as pas de. Non. T'aimes les Puma Suède Nike. Aussi. Puma Suède, je trouve que c'est un classique. Ouais. Et en troisième? Celle-là, elle sent bien. Celle-là, elle sent bien. Ok, d'accord, celle-là. Okay. Quoi? Les Air Force. Air Force, ok. Parce qu'il y a tous les. Enfin, il y a plein de. Il y a plein de styles, quoi. Enfin, ouais, URH. Off-White. Les Nike Off-White. Oh, bien. Air Jordan 1. Oh, lui, c'est un bon. Direct, direct. Lui, c'est un bon, ok. Et en deuxième, troisième? Bah, Air Jordan 1 encore, les Travis, ouais, qui vont sortir. Ok. Voilà, le 3 mai. Et le dernier, du coup, parce que c'est quoi? Dernier. Bah, je sais pas. Je dirais des Balenciaga. Lesquels? Triple S. Ouais, ça bien. Et toi, du coup? Moi, c'est une qui vient de sortir là. La Dior, la nouvelle. Une Dior de nouvelle? Ouais, une Dior. Elle est comment, vite fait? C'est celle avec les Converse, les nouvelles Converse à Dior. Bizarre là, des Converse. Non, ça, elles sont simples, il y a juste les monogrammes Dior. Voilà, voilà, voilà. Bah, elle doit être en. Je sais même pas. Avant, il y avait fait, hein. Avant, bah, okay. Celle-là, elles sont en blanche. Bah, les Track, les Balenciaga Track. Ouais. Et en troisième, tu veux quoi en troisième? Les vêtements. Hein? C'est des vêtements, genre, c'est comme les socks de Balenciaga. Ouais. Ça fait marquer vêtements au-dessus. Ok, d'accord, ok. Le top 3. Des quoi? Des chaussures? Chaussures, il y a chaussures. Adidas, Jordan, Nike. Oui, c'est. Ouais, ok, ça c'est les marques, ça. C'est dire, les modèles, c'est les modèles. Modèles précis. Précis comme précis comme un sniper. Bon, ben Nike. N-I-K-E. Eddie Malou. Hein? N-I-K-E. Nike. Ah, ben Nike. Nick. Nick, oh, Nick, ok. Nick, Nike. D'accord. Sans mentir, bah. J'ai la Freerun. C'est pas une marque de ouf, mais t'as vu, genre, elle m'a marqué quand même. Après, t'as les requins. Le requin, ouais, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Et en dernière, là, c'est les dernières Reebok, là, les DMX. DMX, ok, d'accord, ça marche. Ouais, ouais, moi j'aime pas trop. Hein. Moi j'aime pas trop les DMX. Je suis pas trop fan, moi. Je suis pas trop fan. Non, moi j'aime bien les DMX. Hein. Bien, elles sont pas mal. Hein. Les sneakers préférés, ouais, moi je préfère les Zanotti. Zanotti, Louboutin, Philippe Lain. Ah, oh, ouais, d'accord. Les Balenciaga. Après. Les Adidas et peut-être les Nike. Ok, est-ce que tu as des modèles précis ou pas? Comment? Des modèles précis, par exemple sur Adidas et Nike. Sur Stan Smith, je sais quoi. Adidas, pas forcément, et Nike, ben, peut-être les TN. Les TN, ouais, ok. Ça me vient pas à l'esprit. Ok, c'est pas grave. Et toi? Toi, c'est. Même
Pareil. Pareil, de même. Sauve-nous, s'il te plaît. Moi, c'est la Air Force One. Force One, ok. J'adore les Dunk, j'adore. Et après, c'est Jordan One. Jordan. J'aime beaucoup, beaucoup les Louboutins. Ouais. Après. Oh, tout ce qui est Nike, j'adore. Tout ce qui est Nike aussi, ouais. Et. Ouais, Zanotti, c'est bien. Zanotti aussi mmh. Oh, bien, Zanotti. Zanotti, ça va être trop bling bling. Ouais, bah après, pour l'été, ça passe bien. Ouais, ça va, ça va. Mais bon, sinon, après, c'est pas la chaussure que je porterai tous les jours. Ouais, bah voilà, c'est pas une chose qu'on peut porter tout le temps, quoi, tu vois. C'est voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Mettez en commentaire la paire que vous portez aujourd'hui. Et le top 3 de vos paires préférées. Voilà, dites tout. Et le prix aussi, le prix, hein, c'est important. Et bien sûr. Non. Là. Ah, c'est bon, active la cloche.